La Lune tourne autour de la Terre sur une trajectoire quasi circulaire. En même temps, la Terre tourne autour du Soleil sur une trajectoire elliptique. Si nous considérons le mouvement de la Lune par rapport au Soleil, nous obtenons une trajectoire plus compliquée qu'un cercle. Je vais enlever le cercle. Regardons le mouvement de la Lune par rapport au Soleil. Voilà, la trajectoire de la Lune par rapport au Soleil est en train de se tracer. Donc, si nous prenons la Terre comme repère, alors la trajectoire de la Lune autour de la Terre, c'est cette circonférence. Mais si nous prenons le Soleil comme repère, alors la trajectoire, c'est cette courbe grise qui est en train de se tracer. Et par conséquent, la trajectoire d'un mobile dépend du système de référence choisi et est donc relative.